Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur le plateau du Strike. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on va fêter Halloween. Et tout de suite, je vous propose d'accueillir celle qui va tenter de récolter moult sous pour pouvoir assouvir ses rêves. Mesdames et messieurs, voici Isabelle. Salut Isabelle. Ça va bien? Je vous en prie. En plaisir-tu? Bien sûr. À la bonne heure. Je vais te présenter les deux acolytes qui vont t'aider. Et c'est un plaisir de les accueillir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, le patron de la boîte, le producteur de cette émission, Cyril Hanouna. Ça va. Merci d'être là. Cyril. Ça va, les chéris. Isabelle, Cyril, Isabelle. Ça va, Isa. Bien, Isa. Merci. Et on avait besoin d'un côté féminin et on a demandé à Agathe Aupoux de venir nous retrouver. Ouais. D'accord, Agathe. Ça va bien. Ça va très bien. Salut. Donc là, il n'y a que du C8, que de la H2O production. Ça va. Elle va comme ça au bowling, elle. Ouais, ouais. Bah, j'ai des chaussures et j'ai les collants un peu Halloween. Mais elle fait pooling et bar mitzvah après ou pas? T'es pas obligé de montrer ta culotte à tout le monde. Isabelle, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir jouer ici en dehors du fait de me rencontrer, de tenter ta chance amoureuse à mes côtés? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Il y a un problème. Oui. Passe-partout, qu'est-ce qui t'arrive? Passe-partout, il y a un problème. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir nous retrouver ici sur le plateau de Strike? Alors déjà pour l'expérience, j'ai jamais fait de... T'as jamais fait de télé? Non, aucun jamais. Jeu télévisé? Non, et j'ai même pas été dans le public, jamais, c'est la première jamais, fois c'est la première fois que tu te retrouves sur un plateau de télé. Ouais. Nous aussi. Oui, complètement. Si tu gagnes 50 000 euros, tu fais quoi? J'adorerais inviter tous mes amis pour faire un super beau voyage en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment... Et alors c'est marrant, tu verras, dès que t'as 50 000 euros, des amis t'en marrent. Ouais. Ah si, si. Moi je me suis aperçu à une époque, plus mon bateau était gros, plus j'avais des copains. Un homme dans ta vie? Non, d'accord. Pas encore. Ça m'arrive. J'aime la solitude. Moi si je peux en servir, ça... Moi, à partir du moment où ça fait plaisir, moi je suis prêt à tout. Hein. Ça va pas, non, Youssef. Franchement, Youssef, je peux plus tirer. Je vous présente Youssef. Oh, excuse-moi. Tu as bien fait de te déguiser en fantôme. Les lentilles, c'est flippant. Voilà. Les lentilles, et ça te va hyper bien, Youssef. Et arrête de te foutre de sa gueule, parce qu'en plus, il est très soupelé, il comprend pas l'humour du tout. Youssef, va t'asseoir. Tu vas travailler au kebab comme ça, là, tout à l'heure. Va t'asseoir à côté de... À un moment, on y a cru. Bien. Voici la règle de ce jeu. Un jeu où on pose des questions et où on joue au bowling. Un jeu où on va te poser 12 questions. À chaque question, il y a 12 propositions de réponses. Parmi ces 12 propositions de réponses, il y a une bonne réponse et 11 mauvaises réponses. Avant de poser la question, on fera une partie de bowling et on enlèvera autant de mauvaises réponses qu'il y a de qui tomber. Ça va me gonfler, ça va me vénère, ça me fait toute la soirée. C'est juste pour nous, ça. C'est juste pour nous. Voici l'échelle des gains. On commence à 100 euros et à la 12e question, on sera à 50 000 euros. Alors, j'espère que tu vas gagner le plus cher possible parce qu'à la finale, celui qui fait l'échec, il est là. C'est vrai, ça te va jouer, hein. Ça m'éclaterait. Moi, ce qu'il faut surtout bien regarder, hein, les téléspectateurs chez vous, regardez bien la gueule de Cyril au fur et à mesure de l'émission. Pour peu qu'elle soit brillante et tout, le mec, ça va faire « Ouais, on est très bien à 100 euros, là, on est bien. » Je vais tout donner. Okay. Alors. T'es pas au bowling? Ah non. Il est très fort, il est très fort. Écoute bien, tu as la possibilité de cadenasser l'échelle des gains deux fois. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu te dis « Stop, j'assure le minimum avec 1000 euros, par exemple. » Ça, c'est un exemple. Ce qui fait que tu cadenasses à 1000 euros et si tu perds à 6000 euros, tu repars quand même avec 1000 euros. D'accord. Ça, tu peux le faire deux fois. Ok. Il y a deux jokers pour t'aider. Le premier joker, c'est le smartphone et tu as 45 secondes pour aller sur Internet tenter de trouver la bonne réponse. Et le deuxième joker n'est autre que... Bravo! Bravo! En...
En toute modestie. Parce que vous êtes très fort au bowling. Ah, moi je suis une bête au bowling. Ah, d'accord. Mais d'une manière générale, je suis doué et excellent en tout. Tu vois ? Et c'est vrai que je me répète peut-être, mais souvent, j'aime à le rappeler, Dieu m'a fait à son image et comme il est mort, je le remplace. Tu as compris la simplicité du personnage ? J'ai compris l'humilité de la personne. L'humilité, absolument. Mon deuxième prénom est Modeste. Bien, ça vous va très bien. Il y a également la question cash. Ça, c'est une idée de Cyril, parce que... cash. Ça paye direct. Du cash, tu vois, du cash. Vas-y, tout en cash. J'ai l'oseille sur moi, hein. Je peux y aller. Complètement. La question cash, c'est, il y a un moment dans l'émission où tu vas entendre ça. Là, il y a 300 euros à gagner à partir du moment où tu me répondras très vite. Toujours okay. Pareil, une question, 12 réponses, une partie de bowling, et on y reviendra quand ça sera le moment. D'accord. Des questions ? Non. Aucune. Le public, des questions ? Non ! Eh ben, on va les bouffer. Ah non, on va jouer. un petit tir d'entraînement ? Ouais. Isa, allez, premier. Isa. 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 Je rappelle. Alors, plus le chiffre est petit, plus la boule est légère. Ok. Ok ? Ah oui. Oui, donc plus le chiffre est grand, plus la boule est lourde. Elle est lourde. Yes. T'as allez, fait combien, t'as vas-y, fait combien Isa. C'est bien. Ouais. Ah, on le prend. On la compte, du coup. Et là, la surprise du chef. Et on le prend, on le prend. Bah, on prend, hein, on le prend. Gagné, ça c'est dommage que ça soit bravo. Je t'en prie, c'est bravo, Isa. Agathe. Ah, je suis obligée de bah monter, oui, non, d'accord. T'es pas obligée, mais c'est mieux parce que t'auras l'air moins ridicule. Eh, Isa. Mais ouais. C'est la balle d'entraînement. T'as pris quelle boule ? La 8. La 8. Parce qu'on est sur C8. Oui. Quand ça passera sur France 4, elle prendra la 14. C'est là-haut. Prends la 8. Ouais, je suis obligé de prendre la 8. Ah ouais, non, mais prends la 8. Visiblement, la 8 marche. Parce que non, j'ai pris la 12 parce que je vais peut-être être transféré sur énergie 12. Je voulais vous en parler. Entraînement, mais on est nul quand la partie démarre. Mais non, c'est, généralement c'est une continuité. Ah oui. Et on a vu que Moscato qui est venu, il a été d'un bout à l'autre à chier. Arrête ! Il a battu le record de gouttière. Arrête, ça me stresse. La gouttière, c'est quand la boule tombe dans la gouttière avant d'arriver dans la lucarne. Malheureusement, à ce moment-là, le joueur suivant n'aura plus qu'un tir. C'est ça. Quelle pression. Ouais. Un truc de dingue. Ça va, l'autre, elle vient de te péter deux strikes d'Achille. Elle dit, non, j'ai la pression. Non, je te jure, c'est pas une impression, c'est la pression. Ah arrête, mais c'est allez, pas... Allez, on est parti, Isabelle. C'est toi qui démarre la partie. Vas-y, Isa. Allez, Isa. 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 Avant chaque lancer de boule, on a le thème de la question. Okay. Et le thème aujourd'hui de cette première, c'est le compte est bon. Bah t'as raison, strike sur strike, pour moi le compte est bon. Préparez-moi un stylo et un chéquier quand même pour Cyril. Allez, fais péter le record. Je vais pas rester. Vas-y ça, vas-y ça. Maman. On va échanger avec lui d'abord. Ça fait. Allez. Allez, on la commence cette émission. Mais t'as fait. C'était l'entraînement du coup là. Oui, c'est l'entraînement. Ouais, ouais. Mais... Oui, on est d'accord. Bien sûr. Ouais. Bon, alors malheureusement pour Cyril, il y aura qu'une boule tout à l'heure. Tu tires une deuxième boule et puis t'essayes de faire mieux quand même. Ouais. Hein? Tu la vois celle-là? Allez, Isa. Vas-y, Isa. Il reste donc 4 réponses pour la question. Et parmi ces 4 réponses, il y a la bonne réponse. Voici la question. Vous aurez 45 secondes pour répondre. Dans quel conte une citrouille est-elle transformée en carrosse ? S. La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon, Peau d'âne. Top chrono, 45 secondes. Cendrillon. Cendrillon souvenir quand même. Cendrillon.
Et l'autre, elle dit évidemment après l'autre, tout l'autre, elle dit évidemment. Et t'as deux doigts de te dire, c'est quoi une citrouille? Ouais. Non, j'avais la réponse même avant les propositions. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oh l'autre, elle commence la pète. On va plutôt des propositions alors, on va voir. Alors, la proposition, c'est... Cendrillon. 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 La réponse est Cendrillon. On s'arrête là et on regarde, on vérifie tout de suite. Mais je pense que... Oui. Oui. Cyril. J'ai qu'une boule. It's your time now. J'ai qu'une boule. Bon, je reprends la 8, hein. Ouais, ouais. Allez, c'est no- ça sera notre faire un strike. Allez, attends, on va tellement vite là, on perd tout. Alors, on a 100 euros, on cadenasse ou on continue? Je prends le risque quand même de continuer. Ah ouais, toi t'es une battante, toi t'es une guerrière. Bien sûr, Agathe. On continue, voici le deuxième indice. Allez, Cyril là. Mort vivant. Bon, bah oui, on est dans la spéciale Halloween, donc on va parler évidemment de tout ce qui est surnaturel. J'ai qu'une boule, Vincent. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Si, on nous a dit, Cyril va venir, il a une boule. Attention. Ça va. Ah ouais. Donc là... Donc toi, tu pourras jouer avec deux boules. Yes. Elle aura deux boules. Elle aura deux boules. Il me faut au moins ça. Bah écoute, c'est bien la première fois que ça va lui arriver. Alors. Merci. Dans le clip de quelle chanson Michael Jackson donne-t-il sur cette chorégraphie? Thriller. Ah oui, quand même. On connaît bien même. On n'avait pas les... C'est Thriller. Ouais, super. C'est bossé, ça. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Billie Jean, Dangerous, Thriller, Bad, Smooth Criminal. On joue pour 250 euros. C'est facile, ces 250 euros. Thriller. Thriller. Isa l'avait. Tu confirmes? Tout le monde est là-dessus, ouais. Oui, Isa l'avait. Ouais, franchement, je l'avais. On l'avait direct. Ouais, direct. Facile. On l'avait direct. Mais allez, bravo. On va avoir la réponse tout de suite avec la même chorégraphie et en musique. Merci les danseurs, les danseuses. Merci beaucoup. On arrive du coup à 250 euros. Est-ce qu'on bloque? Est-ce qu'on continue? On continue. Ah. On continue. Arrête tout, Isa. Et je vois ça d'un bon oeil. On continue, on joue pour 500 euros et c'est à Cyril. De... Non, file dans ta chambre, toi. Ah. Comme je dois jouer, moi. Ah non, c'est Agathe. Bah Agathe. Alors quoi? Oh, il est sur un autre ton. Ça va, oh. Moi, je suis allez, Agathe. Et tu as deux tirs. Tu peux tirer deux fois. Et j'attends l'indice. Indice. Elle est à fond. Hein. Elle est au taquet. Pan dans les dents. Pan dans les dents. Ah. Ok. On est parti. On va parler de Joey Starr. Allez, vas-y. Non, quelle horreur. Allez, deuxième boule. Agathe, donne tout. Allez, madame, je bouge. Agathe. Tu me stresses, arrête de me parler. Agathe. Arrête. Arrête. Oh là là là. Ah. Un coup à droite, un coup à gauche. Alors, je te rappelle quand même le principe du bowling, c'est pas d'éviter les quilles. Ouais. Je m'en veux beaucoup là. Voici la question qui comporte malheureusement pour vous 12 réponses. Là, selon les légendes, qu'est-ce qui ferait fuir les vampires? Bien sûr, c'est l'ail. L'ail ou l'argent. Ouais, mais calme-toi. Le persil, le laurier, le sang, l'or, les enfants, le noir, les araignées, les chansons de Lara Fabian, ça c'est sympa. Oh là, l'ail, c'est les chauves-souris, les clowns, le dentifrice ou TPMP. Oh là. C'est l'ail. C'est l'ail. À fond l'ail. C'est l'ail. Le persil, on aurait pu croire, mais non. Non, c'est l'ail, c'est l'ail. Elle peut se rattraper. Bah, elle avait plein de vampires chez elle. Elle en a eu des vampires à la maison. Eh oui, c'est vrai. On dit l'ail. L'ail. On s'arrête sur l'ail. Mais oui. Allez, on s'arrête sur l'ail et le reveal nous dit que c'est... Il y a quelqu'un d'autre qui a dit c'est l'ail. On vient de remporter 500 euros. Qu'est-ce qu'on fait-il? On bloque, on continue? On non. Bloque pas, on a on deux cadenas. On continue. On continue, on joue pour 1000 euros. Allez, Isa. Allez, Isa. Isa. Malheureusement, tu n'as qu'un tir. Ah oui, t'as qu'un tir à cause de moi. À cause d'Agathe. À cause de moi. Je balance pas, je renseigne. Indice.
Coupé. Ah, il y a une circoncision. Oh. Allez, une seule boule. Vas-y, Isa. Ah, ça. Ah, là, c'est bien. C'est bien. Oui. C'est bien. Bravo, Isa. Bien. 7 sur 10. Bravo, Isa. Bravo. 7 sur 10, il nous reste 3. Heureusement que 5 réponses. Heureusement que t'es là, Isa. 5 réponses pour cette question. Parmi les 5, il y a la bonne réponse. Quel est le nom de cet outil? Ah, bah, je suis très mauvais en outils, moi. Un sarcloir, une houe, une faux, une fourche, une serpe. C'est où est l'outil? Il est où l'outil? Ah ouais, il descend l'outil. Vas-y, donne. Voilà, merci. Voilà, file dans ta chambre. File dans ta chambre. File. File. Alors. S. C'est une faux. Un sarcloir, une houe, une faux, une fourche, une serpe. Moi, je pense que c'est une faux. C'est une faux, Jean-Pierre. Et c'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. On bloque. Isa. On bloque une faux. Je bloque cette réponse. Ouais. La réponse à cette question était une faux. Oui, je pense que c'est juste et on va passer tout de suite. Voilà. Une faux, qu'est-ce qu'on fait? On bloque, on cadenasse, on continue, on joue, on s'arrête là. On continue 100 fois. T'as encore 2 jokers, t'es large. Allez, on continue. Je suis au conseil. Ne te tourne pas vers Cyril quand il s'agit d'argent. Isa, pense surtout à toi parce que eux après ils s'en foutent. Hein. Ouais. Alors moi, il est hors de question que je m'en foute. Ah, oui. Je suis ici pour gagner. Ils s'en foutent pas, mais enfin, un petit peu quand même. Un petit peu. Après ils s'en vont. Ça l'arrange un peu en fait, j'espère. Pas du tout. Alors, tu as 2 tirs pour tenter de faire tomber un maximum de qui. L'indice est le suivant. C'est quoi l'indice? Ah, musée hanté. Ça, les musées, c'est pour moi. Je te rends ton cure-dent. Merci. C'est bon, je tire? Allez, vas-y. Pas mal, Non, mais il joue en deux fois, Il joue en deux fois. Elle penche à gauche. Au milieu. Excuse-moi, on n'a pas besoin de tes conseils. Au milieu, on avait vu. Hein. Musée hanté, une réponse bonne, une réponse mauvaise, une chance sur deux. 2000 euros à gagner, l'affaire est facile. Elle est même carrément dans la fouille, dans le sac. Question. En 2001, qui a incarné au cinéma Belphégor le fantôme du Louvre? Je sais ça. Il sait ça. Juliette Binoche, Sophie Marceau. Sophie Marceau. Oui, Sophie Marceau. En 2001. Attendez, on va pas quand même y aller comme des cons. Ouais, c'est ce qui roule. Avant la question, j'avais Sophie Marceau dans la tête. Mais oui, c'est Sophie Marceau. Mais après la question, j'ai toujours en Sophie 2001, Marceau dans la tête. En 2001, il y a 17 ans. Ça sent quand même bon pour Sophie Marceau, du coup. Bah, ouais. Ça sent toujours bon pour Sophie Marceau. Hein. Je sais pas si tu l'as déjà senti. Oui, c'est vrai, Moi, j'aime bien Sophie Marceau. Elle sent bon, Sophie Marceau. Ouais. Moi, je dis Sophie Marceau. En 2001, qui a incarné au cinéma Belphégor le fantôme du Louvre? Juliette Binoche, Sophie Marceau. Sophie Marceau. Moi, j'avais Sophie Marceau dans la tête. Sophie Marceau. Si on perd. Si on perd, là, on repart sans rien. On a 2 jokers, dont le smartphone qui permettrait d'avoir la. Mais oui, mais on va pas sacrifier un joker alors qu'on connaît la réponse. Vous êtes sûr de la réponse? T'es sûr de la réponse? Non, je suis jamais sûr de rien. Vite, 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 Sophie Marceau. Sophie Marceau. J'avais Sophie Marceau dans la tête. J'ai très peur. On a dit Sophie Marceau. Moi, à votre place, j'aurais pris un joker. Allez, arrête. Non. Si tu sais que c'est Juliette Binoche et que tu nous as fait perdre, c'est très grave. Alors déjà, toi, tu vas me parler sur un mouton. On peut pas appeler la production. Tu connais quelqu'un à la prod, toi? J'ai 2-3... J'ai 3 personnes. 2-3 millions. Toi, dans le truc. Comment tu le sens? On a dit Sophie Marceau. Si c'est la bonne réponse, on a bien fait de ne pas prendre de joker et d'écouter Agathe. Et d'écouter Cyril. Oh, non, on a écouté Agathe. Non, c'est Cyril, toi qui a dit on prend pas de. C'est toi. Non, la responsable. Pas du tout. Qui a dit non, mais on va pas prendre de joker puisqu'on a la bonne réponse. Et tu m'as dit, est-ce que vous êtes sûr de la réponse? Je me suis tournée vers Cyril tu Hanouna. Tu ne me montres pas du doigt. Je me suis tournée vers Cyril Hanouna, le producteur de l'émission connu pour sa passion pour le cinéma. Et il a dit Sophie Marceau. Oui, mais il avait Sophie Marceau dans la tête. Ouais, c'est ça. Ah oui, mince. Eh ouais. De la question, tu l'avais dans la tête ou elle était déjà la tête? Non, Sophie Marceau dans la tête. Pour le kiff. Parce que là, du coup, c'est peut-être pas dans la tête qu'on va la voir. Ouais. Non, ah ouais. Arrête. Il met la pression quand même, il est très fort. Hein. Donc, si c'est la bonne réponse, on a 2000 euros et moi, je conseille de cadenasser parce que vous avez vu là, l'attention, la mine de rien. Mais non, hein, on prendra le joker sinon. Non. Eh, calme-toi. Eh, oh. Sophie Marceau, est-ce la bonne réponse? On joue pour 2000 euros.
Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune réponse. Moi, je suis d'accord pour envoyer la pub. Non. Retour sur C8, nous sommes sur le plateau de Strike. On est accompagné de Isabelle qui va tenter de gagner pour l'instant, je crois, quelque chose comme 2000 euros. Elle est épaulée par Cyril Hanouna et Agathe Prou. À la bonne heure. La question était, juste avant la pub, en 2001, qui a incarné au cinéma Belphégor le fantôme du Louvre ? Sophie Marceau, est-ce la bonne réponse? On joue pour 2000 euros. Ah, c'est tendu! Allez, allez, ouais! Yes! Bravo, Agathe, bravo, c'est grâce à toi, Agathe, bravo. Merci. Ah non, félicite, standing merci. Ovation pour et Agathe. Cyril, standing ovation pour Agathe. C'est grâce à Agathe, félicitations. Bravo. Je le sentais. C'est beau. Sophie Marceau, je l'avais tout de suite. Et Cyril après... avait dit Juliette Binoche hein, depuis le début. Ouais, c'est ça. Toi, tu disais Juliette Binoche. Non, lui, il avait dit Juliette Binoche. Mais excusez-moi, je servais à quoi dans cette émission en fait? Non, parce tu que... balances pas, toi, du tout, c'est pas le genre. Non, je balance pas, je renseigne. Non, alors, mais là, on est très bien. Non, on mais est à... Vincent, oui, mais on était à deux doigts d'être très mal. Hein. Si les téléspectateurs qui nous rejoignent voilà, suivent l'émission, Agathe Prou, elle n'a pas fait tomber une quille pour l'instant, à part à l'entraînement, et elle n'a pas donné une bonne réponse. J'ai alors... donné toutes les bonnes réponses, espèce de menteur. C'était pas sur cette émission. Hein. Cendrillon, elle était sur le coup. Bim. T'inquiète, on est tous les deux avec toi. Non, elle est avec moi. Agathe, moi, je suis chaude sur les questions. Voilà. Et tu pourrais être notre fille. Nous, on va y aller, on va enchaîner, on va les laisser s'engueuler. Isabelle, qu'est-ce qu'on fait? On bloque, on cadenasse, on continue? On cadenasse, continue, évidemment. On peut cadenasser et continuer. On cadenasse pas à celle d'après, plutôt? Alors moi, je vais te dire, moi, je suis avec toi à fond. Je te suivrai partout. Cadenasser, 2000 euros. Cadenasser, vous avez encore un cadenas après pour rebloquer plus loin. Je suis un peu d'accord avec Vincent, pourquoi? C'est Agathe qui va jouer le prochain coup. Ouais. c'est là tout le problème, mais là, c'est que la prochaine à jouer, c'est Agathe. Ok, vas-y, cadenas. Il reste les deux jokers. Non, mais bon, après, moi, on a deux jokers, soit, mais on a aussi Agathe. En fait, nous, on a deux jokers et handicap, en fait. Hein. Voilà, exactement. C'est la première fois que ça arrive dans cette émission. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On bloque ou on bloque pas? Elle a pas envie de me bloquer. Mais on peut continuer. Tu connais la réponse à la prochaine question? Mais je connais rien, moi. Ouais, allez, on tente, on continue. On ne cadenasse pas et tout ça sera de la faute à Agathe. Mais non, mais j'ai rien dit. C'est trop tard, c'est dit. On joue pour 3500 euros et c'est Agathe qui va tirer. Et qui va tirer deux boules, je crois. Faites-moi voir dans l'écran. Agathe, attends. Arrête. Je suis pas aidée. Agathe en strike. Vas-y Agathe. Oh. Mais en fait, si je peux me permettre, tu la jettes de trop haut, ta boule. Ah ouais? Ouais, il faudrait que tu sois un peu plus penché, tu vois. Attends, bouge pas, regarde, je vais te montrer un truc. Quoi? C'est un truc tout con et ça marche à tous les coups. C'est quoi? Voilà. Vise Vincent, Agathe. Là. Vas-y Agathe. C'est mieux. Regarde. C'est mieux. Regarde. Ouais. Ouais. Bravo. 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 Une question frisson, 5 réponses, la bonne est dedans, on est parti. Dans le roman Ça de Stephen King, sous quelle forme apparaît la créature maléfique quand elle se fait appeler Gripsou? Si, c'est en clown. Est-ce un joueur de hockey, un clown, un chasseur, une poupée, un fantôme? Et il y a d'ailleurs eu le numéro 2 qui est c'est ça, sorti, exactement. Que moi j'ai adoré. C'est ça. Agathe, t'as une idée? Oui, c'est le clown maléfique, là, avec l'énorme nez, les yeux dégueulasses. En plus, il est beau comme tout. Hein. Ouais, il est beau, il est fabuleux, moi j'adore ce... T'as peur des clowns, Agathe? Bah, des clowns comme ça, oui.
Oh non. Ah si. Pourquoi il y a un clown qui va arriver, c'est ça? Non. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu l'as fait tatouer? Ah non, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et derrière, t'as le plan de... Alors derrière, j'ai le plan de la prison. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Et devant, j'ai les numéros du loto. Alors, moi, j'avais dit clown au départ. Clown au départ. Alors Agathe aussi. Bah, j'ai vu le film, c'est un clown. Ouais. Mais là, du coup, c'est la question, c'est dans le roman. Non, mais alors, généralement, le roman correspond au film. Hein. Généralement, les films sont le tournés clown. Après le roman. Le clown. On dit le clown, on bloque Allez. Le clown, on bloque le clown. On bloque le clown, on bloque le clown, on bloque le clown. Tout le monde est d'accord pour le clown. Dans le roman Ça de Stephen King, sous quelle forme apparaît la créature maléfique quand elle se fait appeler Cripsou? On joue pour 3 500 €. Et si c'est la bonne réponse, il y a un moment, il faudra commencer à penser ouais. à cadenasser. On en a beaucoup parlé. Ouais. Allez, était-ce un clown? Parce que c'est... Évidemment que c'est un clown. C'est le seul film d'horreur que j'ai vu. 3 500 €. Est-ce qu'on verrouille, Isabelle? Isabelle. On cadenasse ou on continue sans cadenasser? Vous savez, l'appât du gain, faut s'en méfier. Hein. Non, je cadenasse pas. Cyril a dit non. Ok. Bah, vous prenez le risque, si vous vous plantez à la prochaine, de repartir sans rien. Au pire, on prend le Joker. Non, au pire, on part sans rien. Non, mais on peut prendre le Joker et trouver. Tu te tais! Bon, ok, vous m'avez saoulé tout ça. On n'a pas cadenassé, on joue pour 6 000 €. Et c'est à Isabelle de jouer. Ah, stop! Question cash. Non, non, mais là-bas, ici. Alors, question cash, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Tu balances les deux boules, on fait tomber un maximum de réponses. Ensuite, je te pose la question. Et dès que tu as la réponse, tu ne me donnes pas la réponse. Tu fais top. Ok. Tout de suite, top. Et tu me donnes la réponse ensuite. Ok. De manière à ce que ça bloque le chronomètre et que tu gagnes un maximum. Allez, et prends la boule. Il faut quand même lancer la boule, ouais. Oui, il faut. C'est bien, ça va l'entraîner. Ah, évidemment, si tu fais un strike. Ouais. Non. Bravo. J'allais dire, si tu fais un strike, c'est 300 € direct. Ouais. Faut lancer deux fois. Alors, tu lances de toute façon deux fois. Et même si tu fais une gouttière, ça n'a aucune incidence sur la partie. Tu auras de toute façon tes deux coups. Allez, gaz. Allez. Ah non. Ah, ça, c'est bien quand même. Dommage. Alors, c'est la question est la suivante. Compléter ces paroles du tube du groupe Image m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Mes espoirs qui s'enfuient, mes envies de folie, les fantômes de l'ennui, les danseurs de la nuit, les démons de minuit. Top chrono. Stop. Top. Vas-y vite. Les démons de minuit. Le démon de minuit. Non, les en fait... démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Ah. Aïe. Alors, si c'est la bonne réponse, tu as 193 €. Complétez les paroles du groupe Image. Il m'entraîne les démons de minuit. Oui, moi, je pense que c'est ça. Moi, je crois que c'est les fantômes de la nuit. Oui, les fantômes de l'ennui. Ah, les fantômes de l'ennui. Parce que c'est pas la bonne phase. Ouais, non. On écoute. On fait un strike. Vas-y, Lisa. Allez. Oui, 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 les belles. Elle a vacillé. Et il a deux doigts. On est à ça du strike. Bon, en attendant, on a 9 quilles de tomber, ce qui nous fait que 3 réponses, dont la bonne. Étrange créature, on joue pour 6 000 €. On a toujours nos deux jokers. Voici la question. Dans les légendes bretonnes, comment appelle-t-on cet esprit malfaisant? Je le sais. Je peux pas vous aider, mais je le sais. Mais oui, tu viens de un lambic, un jabatao, un corrigan. Un jabat, j'aurais dit un jabatao. Allez, 45 secondes. Mais bon, on va prendre un joker. Un joker, ouais. On prend un joker. Le joker smartphone, ouais. Alors, on prend un joker. C'est ce qu'on va dans taper. Les légendes bretonnes, comment appelle-t-on? Non, mais tu tapes un jabatao. Tu tapes d'abord un jabatao. Alors là. Un non, laisse-moi taper, laisse-moi faire. Ouais. Ouais, elle est forte en tapage. Elle est jeune. Même nocturne. elle est née avec un smartphone ouais, de Créfé dans la main. Non, non, mais. Bien. Il y en a un qui veut bien lui demander le smartphone parce que généralement, il lui demande, il bouge la main. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, juste pose-le là-bas. Pose-le. Voilà. Pose le smartphone là-bas.
ville. Allez, merci. Attends. T'es prête? Attends. On a 45 secondes. 45 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors? Ouais, moi aussi, les ongles, ça me gêne des fois. Un lambic, un shabada ou un korrigan? Korrigan. Ah, korrigan. C'est exactement ce que j'avais dit. Korrigan est une créature légendaire de Bretagne, comparable au lutin. Tu trembles, la gueule. Sorte de génie de lutin, ça m'a stressé. Alors, qu'est-ce que ça dit à korrigan? Korrigan. Korrigan, ça dit quoi? Sorte de génie ou de lutin, être imaginaire, gnome, esprit malfaisant en Bretagne. Mais le korrigan, ça se met pas sur la pizza? Arrête! Non, c'est l'origan. L'origan. Mais non, c'est dans l'origan. Dans l'origan. Donc, on joue pour 6000 euros. Non, mais non, à moins que Internet. Allez! Là. De toute façon, là, s'il y avait faux, on se serait retourné contre le moteur de recherche, c'était procès, etc. Tu sais ce que ça veut dire. Hein. 6 000 euros, on est pas mal, là. Ouais, alors là, moi, je pense là, on faut... cadenasse. Là, on cadenasse. Attendez, il va nous le demander. Il va nous le demander, c'est vrai. Non, même pas, je vous le demande, parce que vous avez perdu l'habitude de vouloir cadenasser, donc on enchaîne direct. Non, Vincent. Non, là, c'est bon, on est décidé, on cadenasse. On est décidé, là. Ouais. Attends, là, je suis déçu, là. On est décidé. Ah, jusqu'à présent, vous faisiez les Warriors, les. Ouais. On cadenasse. Ouais, on cadenasse. On a plus de. Alors. Dégâts, ouais. Juste pour cette émission-là, juste pour aujourd'hui, on a préparé quelque chose d'un peu spécial. Je vais aller chercher ça tout de suite. Voilà. J'adore Agathe. J'ai au premier rang Agathe pour la mauvaise blague. Ah. Ah ouais, d'accord. Merci. Voilà. Alors, là, alors, je mets 6 000 déjà. Tu mets pour Isabelle. Isabelle. D'accord. Isa. Non, ça, c'est, oui, à Isabelle. Isabelle, ouais. 6 000 euros dessus, en toutes lettres. Ouais. J'ai pas l'habitude de faire des chèques. Avec un Y. 6 000 euros, voilà. Voilà, c'est fait par toi, les mains même du producteur. C'est pour toi. Merci. Attends, et c'est pas fini. C'est le premier, hein, c'est le premier. C'est le premier. Ah d'accord. Déjà, ah oui, tu cadenasses, on en fera un deuxième, puis après t'auras le troisième, et si t'es maligne, tu fais l'addition des trois. Voici la question à 10 000 euros, et c'est Cyril qui s'y colle. Allez, allez mon Vincent. Cyril, t'as deux tirs pour tenter de répondre à la question dont l'indice est... Au bal masqué. Oui. Au bal. Au bal masqué. Elle danse au bal masqué. Attention. Voilà. En plus, Agathe aura qu'un tir. La gouttière. C'est hier. Il était censé. Allez, deuxième boule. Agathe, tu n'auras qu'une boule. Si c'est sur le bal masqué, si c'est sur la chanson, je suis au top. Allez, prends une rouge. Ah, je prends une rouge. Dont la bonne. Voici la question. Quel film d'épouvante a inspiré ce déguisement à Bruce Willis et à son ami pour Halloween? Voici les quatre propositions de réponse. En tout cas, ils sont vachement bien sur cette photo, Benjamin et Jean-Pierre Castaldi. Non, franchement, c'est vachement bien. Psychose, Carrie au bal du diable, Shining, vendredi 13. Alors là, j'ai aucune idée. C'est pas Shining, c'est pas Psychose, c'est pas Shining, vendredi 13. C'est les deux petites filles dans le couloir de la maison, non? Ah ouais, t'as peut-être raison. Eh, non, mais attention, c'est psychose, pas Psychose, c'est pas vendredi 13. Shining, je crois que t'as raison, c'est Shining. C'est les deux Shining. Gamines, ouais. Shining. Et là, c'est toi qui trouves toute seule. Je suis fière. On bloque Shining? On bloque Shining? On bloque Shining. Oui, on bloque Shining, pardon. Sur un autre ton, oui. Absence. On bloque Shining. Et c'est une bonne déduction, les deux petites filles dans le couloir. Ouais, t'as été fort. Avec l'ascenseur qui s'ouvre et le résiné qui résine. Je les avais oubliés. J'ai peur celui-là. Hein. Shining, il est terrible. Ouais. Ah, oui, oui. Il est terrible. Mais je crois que c'est surtout. Comment il s'appelle? Nicholson qui est impressionnant. Ouais. Et comment ça sentir bon le voyage là? Ouais. Et là, 10 000 euros, tu vas voir, il y a déjà. T'as un paquet de copains. Pas mal d'amis, hein. Ouais. On bloque ou on bloque pas? Non. On n'est pas obligé. On bloque à 10 000. On bloque à 10 000. On va bloquer à 10 000. Quoi qu'il arrive, tu repars avec 10 000 euros. C'est quoi qu'il pas arrive. Mal. Ah, il y a le deuxième chèque. Alors, ça fait pas 16 000.
Ah, tu te démerdes. Hein, franchement, vous êtes dur. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est quoi. C'est pas on est dur, c'est on profite. On profite de ta gentillesse, de ta bonté. Sa seigneurie. Il est con, putain. Voilà. Et ce 31 octobre, ça restera une belle date hein, pour moi. Merci Cyril. Voilà. Ça fait plaisir. 10 000 euros, ça c'est fait. Allez, Agathe, c'est Agathe, qu'est-ce que tu fais avec le chèque, Agathe? Comment elle a tête de le coche. Agathe, tu as un seul tir. Vas-y, tu joues pour 15 000 euros et on va tenter de. Enfin, on va regarder l'indice. Un dit arriba, arriba. Ah. Ça fait penser à un dessin animé. Agathe, tu as un tir. Vas-y, c'est parti. Vas-y, Agathe. Oui. Oui. Là, la mauvaise réponse, c'est que pour 15 000 euros. On a 12 propositions de réponses, parmi Vincent, lesquelles hein. Il va falloir trouver la bonne. Après, il y a encore un joker. On peut regarder déjà les questions. Voici la question. Arriba, arriba. Dans le film d'animation Coco, comment s'appelle le chien qui accompagne le petit Miguel au royaume des morts? Oh là là, je connais que lui. Tu connais? Que lui. Je connais que lui. Julio, attends. Pepe, Pablo, Dante, Sombrero, Hector, Taco, Oscar, Guacamole, Chili, Pepito... Coucou, coucou. Ah ouais, quand même. Coucou. Tu l'as vu ou pas avec tes enfants? Alors, on a 45 secondes. Soit pour trouver la réponse, soit pour décider de prendre le dernier joker qui vaut. On prend le dernier joker. Je l'ai pas vu, ouais. Comme ça, après, comme ça j'aurais dit Pépito. Mais il faut prendre Vincent quand même. Ouais. Enfin, c'est une image. Oui. Je te remercie. 10 secondes pour... Allez, on prend le joker. Vincent. Allez, joker. Vas-y Vincent, strike. C'est énorme, ça. Ben, c'est énorme, ça. Moi, l'émission, je la fais que pour ce moment-là. Mais ça, c'est exceptionnel, c'est ça. Juste... c'est juste monstrueux. Si je pouvais le faire 20 fois dans l'émission... Mais ça, c'est un kiff de ouf. Hop. De toute façon, on est sur un strike. Allez. Vincent, vas-y, mon chéri, au thème. Vas-y. Ouais. Attention, il a deux boules. Allez. Allez, mon Vincent. Bravo, 10 sur 10, ce qui nous fait plus que 3 réponses. Et plus de joker, malheureusement. Alors, je vous avais dit Pépé, Dante, Hector. Je vous avais dit Pépito, hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'aucun de nous trois n'a vu le Alors, film. Alors, moi, je vais vous dire, comme ça, il faut y aller au hasard. Ouais. Qui a le plus de chance entre nous trois? Je pense que c'est Isabelle aujourd'hui. Vas-y, choisis, qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi là, il reste... Pépé, Dante, Hector. Et c'était Arriba, Arriba le. Ouais, mais bon, on s'en fout de ça. Moi, j'aurais fait, j'aurais dit... On partira de toute façon, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive avec 10 000 euros. Mais je pense que c'est Dante. Le mec qui met la rassera. Pour un truc d'enfant, non, c'est plus marrant. Pépé, non? Ouais, Pépé, ouais. Pépé ou Hector. Ou Hector. Allez, 20 secondes. Allez. Lisa, de toute façon, on l'a pas vu. Hein. Pépé? Tu dis pas Hector? Arrête. Je sens pas ce Pépé, en fait. 10 secondes. C'est toi qui as lancé sur Pépito, Pépé, tout ça. Ah, mais t'as raison, Pépé. Ouais, t'as raison, Pépé. Pépé. On s'arrête sur Pépé. Moi, j'aurais dit Dante. Ouais, moi aussi. La réponse est... Attends, ne dis rien. On peut changer? Non. Je voudrais bien qu'on parle un petit peu de votre actualité. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Une nouvelle émission sur C8 que tu as dû déjà regarder, bien sûr. Dans l'émission tu balances ton poste. Très animée bien. Par la personne ici. Bonsoir. Par le taulier. Balance ton poste. Merci d'être venu passer un moment avec nous. Allez, la réponse. C'est Dante. C'est Dante. Eh ben ouais, c'était Dante. Isabelle. Vous repartez avec 10 000 euros. L'affaire est excellente.
On a passé une soirée à 10 000 euros, c'est pas tous les jours que ça arrive. Cyril, merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être venu nous voir, Agathe, merci d'être venu, de nous avoir donné ta gentillesse. Merci au public d'avoir été avec nous. Merci les chefs. Merci la régie, merci les décos. C'était la spéciale Halloween. On vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle partie de Strike. Ciao, bye bye. Merci les filles, merci les garçons, bonsoir le public, ça va bien? Nous sommes en pleine fête d'Halloween, bonsoir les téléspectateurs, on est sur C8 et on est sur le plateau de Strike. Je vous propose d'accueillir tout de suite. Mais casse-toi, casse-toi, ça suffit, pars-toi. Voici Jean le couturier. Bonsoir Jean. Bonsoir Vincent. Ça va bien? Ça va bien. Je vous en prie. Merci. Vu que à 2-3 ans près on a le même âge, on peut se tutoyer. Oh bah bien sûr, il n'y a aucun problème. En plus on a une passion commune, c'est les vieilles et belles voitures. Oui. Et on va faire connaissance tout au long de l'émission. Jean, vous êtes venu avec madame. Oui, Josette. Josette. Bonsoir Josette, ça va bien? Ne vous inquiétez pas, à côté, c'est un frigo américain. Il a juste l'air, mais il n'est pas méchant du tout. Bonjour, ça va ? Méfiez-vous quand même. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour accompagner notre ami Jean, ça me fait très plaisir de l'accueillir. À nous deux, on a 60 ans de télé. Voici Bernard Montiel. Salut. Ah, mon Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bernard Montiel. Jean, Bernard, Jean. Salut. Bonjour. On va gagner. Bah, on va gagner. J'espère, on va essayer. On va essayer. De l'autre côté, il mixe, il écrit, il sculpte, mesdames et messieurs, Richard Rolinski. Ça va, Richard? Ouais, super. On va gagner, c'est le principal. Alors. Allez. Ouais. Salut. Je vois dans le public des gens qui font que ça. C'est qui? Richard Rolinski, c'est celui qui a créé, tout le monde l'a vu, tout le monde en a entendu parler, tout le monde les a vus, au moins ça, c'est les gorilles. En résine. Les ours, tous ces animaux qui sont faits en sculpture géante. Il est également disjockey, il est également auteur, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, on reparlera aussi de ton actualité, parce que toi, mine de rien, bah, t'arrêtes pas. Hein. Exactement, exactement. 34 ans de télé. 34 ans de télé, oui, c'est vrai, oui. J'ai démarré. 34 ans de télé. Et ça commence à se voir, hein. Mais j'ai démarré en 85 à aller faire 3 Aquitaine. Il y avait 87 TF1 et plein d'émissions et avec toi et tout ça. Voilà. C'était formidable. Bien. Jean, qu'est-ce que vous faites avec 50 000 euros? Bah, je voudrais m'offrir une belle voiture, un cabriolet. Voilà. C'est une passion que tu as. Oui, que j'ai depuis très longtemps. Oui, j'ai eu des voitures anciennes. Tu mets des mains dedans? Alors pas trop. Pas trop. Vraiment pas trop. Très bien. 5 enfants. Oui. Et on dit autour de toi que tu es attachant. Il a un caractère et bien trempé. Hein. Oui. Ouais, ouais. À la limite du. Oui. Bon. Tu aimes les jeux? Ah oui. Tu es joueur? Oui. Voici une partie de bowling qu'on a appelée Strike. 12 questions. À chaque question, 12 propositions de réponse. Avant de poser la question, on fait une partie de bowling. On enlève autant de mauvaises réponses que tu feras tomber de quilles. Il y a une échelle de gain qui te permet d'aller de 100 euros à 50 000 euros. Oh. Tu peux cadenasser deux fois. C'est-à-dire que deux fois dans la partie, tu peux mettre ta somme en sécurité. Par exemple,
tu gagnes 1000 euros et tu décides de cadenasser. Donc tu sécurises les 1000 euros, ce qui fait que si tu perds, si tu échoues à 6000 euros, tu repars de toute façon avec 1000 euros minimum. Ça, tu peux le faire deux fois. Oui. Ok ? Si vous faites un strike, on ne pose même pas la question, on passe directement à la question supérieure. Il y a également deux jokers. Le premier joker, c'est un smartphone qui te permet en 45 secondes d'aller chercher la bonne réponse sur Internet. Et le deuxième joker, mesdames et messieurs, votre serviteur. Encore un petit coup. Ça va aller, non? T'as vu, avec l'âge, on donne dans la simplicité. Ça va aller, hein? Si je ne me fais pas briller maintenant, je ne compte pas sur toi non plus. Bon, un petit coup d'essai? Allez. On commence? Allez, Jean, un petit coup d'essai. Allez, vas-y. J'ai des strikes, hein. Il y aura pendant l'émission ce qu'on appelle la nouveauté, c'est la question cash, qui permet de remporter 300 euros. Quand on entend ça, c'est la question cash. Alors, attention. Si vous faites ce qu'on appelle une gouttière, un fossé, si la boule tombe dans la gouttière avant d'atteindre la lucarne, malheureusement, ça retire un coup à la personne suivante. Ah, c'est-à-dire que si il joue et qu'il met une gouttière, toi, derrière, tu n'as qu'un seul tir. D'accord. Ok ? Allez, on est parti. Allez. Donc ça, c'est une gouttière. Mais ça, c'est un essai. Oui, ça, c'est un essai. Jean, file dans ta chambre. Non. Bernard, à toi. Oh là là. Un essai, fais-le. Oh là là. Dis-moi, si l'essai est bon, on peut le compter ou pas? Je sais même pas comment ça se... Tu sais que la dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 3 ans, alors. Donc il faut... T'as déjà joué au bowling? Il y a 3 ans. Je t'explique le principe. Il y a des quilles, faut pas les éviter. Faut les frapper. Bon, et vous m'encouragez, là? Oui! C'était un essai, donc. Tu vas nous faire rire aussi, hein, jamais 203. Hein. T'inquiète pas. J'espère, j'espère faire pareil. Ça va venir. Hein, t'inquiète pas. On a même boule. Oui, j'ai vu que... Tout... Oui. Allez. On va essayer. Voilà! Bien! Non, mais tu sais quoi, au moins, t'as touché l'équipe. Bon, eh ben, Jean, on démarre. C'est parti. On est parti. Allez, viens ici. Ah, j'y vais. Allez, ah oui, pour faire une partie de bowling, c'est plus facile de trouver sur la piste. Mais la jette pas. Voici le premier indice de cette première question. On joue pour 100 euros. Vampire de la Haute, je rappelle qu'on est dans une spéciale Halloween. D'ailleurs, ça se voit, les gens qui ont des cornes sur la tête, c'est pas qu'ils ont une vie privée agitée, c'est un déguisement. Allez, c'est parti? Hein? Oui, Jean, c'est parti. Non, il ne faut pas qu'il la jette. Oh, alors, il y a deux boules. Il y a deux boules. Alors, je peux me mettre là? Oui, il ne faut pas dépasser la ligne, c'est tout. Voilà. Ah oui. Assieds-toi. Ah, bravo, t'es top, toi. Voilà. Bravo. Tu l'as jeté? Bah oui. Il est fort. 9 quilles sur 10, ce qui nous fait 3 réponses parmi lesquelles il y aura la bonne réponse. On joue pour 100 euros. La question est évidemment facile. La voici. Dans le célèbre roman, quel est le titre de noblesse du vampire Dracula? Je lui dis ou... Non, t'attends qu'il te propose. Ah, bon. Ah voyons les 3 réponses. Tu peux lui dire. Non, les 3 réponses. Tu peux. Un roi, un marquis, un comte. Comte, Dracula. Pour le comte. Le comte est bon. Quant à moi, c'est la pub. On est de retour sur le plateau de Strike. On est sur C8 en compagnie de Jean Le Couturier. Accompagné de mon pote Bernard Montiel, lui-même accompagné de Richard Oleski. On se posait la question de savoir si le compte est bon et on veut tout de suite la réponse parce qu'on veut pas de suspense là, c'est pas la peine. Là, non, voilà. Bernard, juste avant de lancer la boule, Bernard, je me dois de me tourner vers Jean et de lui demander si on continue sans bloquer. Non, on continue. On est des guerriers, on continue. Voici l'indice. T'as pris une boule de fille, là. Ouais, c'est léger, ça.
Ah. C'est ce qu'on essayait d'expliquer à Sébastien Chabal. Ben, lui, il n'arrivait pas à rentrer les doigts. Et tu sais que Sébastien, il a réussi à prendre la boule comme ça, lui. Ah bon ? Ah ouais, ouais. Et ça marche quand même ? Oui, mais bon, il a fallu aller chercher la boule sur le plateau 131 de l'autre côté, quand même. Parle à ma main. Bon, allez. Ouais, parle à ma main. Ouais, parle à ma main. J'y vais ? Allez. Ouais, par exemple. Deuxième boule. 6 quilles sur 10, il en reste 4. Là, il faut que tu cherches à passer entre la première et celle qui est à sa gauche. Ouais, tu parles, je vais trouver tout de suite. Tu fais allez, tom-tom. Oh. Eh bien, regarde, regarde. Oh. On a nos deux jokers. Derrière, Richard jouera deux coups. Une réponse est la bonne, une est la mauvaise. Donc, une chance sur deux. Voici la question. Je suis super content. Tu peux, dis-tu, après lui avoir démonté l'épaule. Dans la famille Adams, quel est le nom de la main qui bouge toute seule? Vous savez... Ouais, qui marche toute seule, la bête à cinq doigts. La chose ou la main? La chose. La chose. Ça, tu sais pas? La chose. La chose. La chose. Le monsieur te dit la chose. La chose. On dit la chose. La chose. On bloque la chose. La chose, est-ce la bonne réponse? Ben oui. Ben oui. Oui. Bravo. On a gagné 250 euros. Merci. Je t'en prie. 250 euros, on continue, on bloque. Oui, on va continuer. On va continuer, on ne bloque pas et on joue pour 500 euros. Et c'est Richard qui va jouer deux fois, qui va faire une partie normale. Voici l'indice auquel on va être confronté, la trouille. Et quand il y en a 6... Allez. La citrouille. Chance sur deux avec la trouille. Voici la question. Dans quel film d'horreur le tueur baptisé Ghostface effraie-t-il un groupe d'adolescents? Ah bah oui, c'est figure Scream, de fantôme. Oui, Psychose ou Scream? Scream. J'ai le masque à la maison pour les amis, leur faire peur la nuit. Il est fluo en plus, il est fluo la nuit. Il a un humour très spécial. Quand tu vas dormir chez lui sur le bassin d'Arcachon, t'as qu'une envie, c'est marée haute pour pouvoir rentrer. Exactement ça. Dans les marais. Alors, Scream. Si c'est Scream, on gagne 500 euros. Bonne réponse. Bien, bien. Et oui, voilà le masque de Scream. Je suis désolé, je connais en plus. Je présente mes excuses. Ce monstre, on l'a souvent à TPMP, le monstre là. Ah ouais. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, un bébé comme ça Ah ouais, on peut rien faire. Soit tu t'en sers d'IPM, soit tu l'as. 500 euros, qu'est-ce qu'on fait, Jean? Non, encore une. On continue, on bloque pas. Allez, on joue à 1000 euros. Et c'est à Jean de jouer. Et Jean, vas-y. À toi, Jean. Compte sur toi, Jean. Vas-y, Jean. Jusque-là, vous cartonnez. Hein. Jusque-là. Oui, c'est le thème de cette question pour 1000 euros. La quatrième, c'est horreur, malheur. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah oui, ça, c'est la chanson. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oui, oui, horreur, oui, malheur. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez. Ceux qui n'aiment même pas. Non, non, c'est pas ça. Eh, hey, douceur. Douceur. De la gentillesse. De la délicatesse. Et... Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Je
je vais prendre la même, hein, c'est possible. Oui, dis-moi, Vincent, et lui, tu lui dis pas qu'il prend des boules de filles, par exemple. Là, c'était la 8, c'était la plus légère. Non, c'est pas la plus légère, c'est les roses les plus légères. Ah bon, c'est celle que t'as voulu prendre tout à l'heure. Ah bon. Allez, allez, eh ben, voilà qui t'attend maintenant. Allez. Horreur, malheur, pour 1000 euros, voici la question. Il y a un paquet. Compléter les paroles de la salsa, tu vois, c'est du, la démon. Salsa du démon. Oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc. Je suis en rut. Ah, tu non. La connais celle-là, hein. Ça. Je sais pas, hein. J'ai le scorbut, je fais de la lutte, non, je suis en rut. Je suis en rut. Je suis en rut. Je suis une brute. J'ai pas de calbut, je n'ai aucun but. But. Oui. Et je vous dis zut. Je suis en rut. Voilà. Je suis un bouc, je Alors. Suis en rut, oui, c'est ça. Oui. Moi, je connaissais que je suis en rut, donc je pense que... Je pense que c'est en... Je suis calbut, en rut. Calbut, ça marche pas. Oui, je suis belle, j'ai but. Je suis un bouc, j'ai pas de calbut. Allez, je suis en rut. Je suis en rut. Ouais, je suis en rut. D'accord. Oui. T'es d'accord. Eh oui. Et il me semble. Le public est d'accord. Oui. Je suis un bouc. J'ai trouvé avant je suis en... Oui. La réponse était... Je suis une Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Bon, je lui fous une claque. Et quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Qu'est-ce qu'on fait avec 1000 euros? On en fait une. Allez, tu cadenasses pas. Non, encore une. Encore une, et puis après on commencera à réfléchir. Après, on va commencer à cadenasser. Oui. On continue, on joue pour 2000 euros. Bernard, s'il Allez, te plaît. Bernard. Viens, c'est un striker. Arrête de changer de boucle, les 5 minutes. Ça y est, on l'a énervé, alors maintenant il prend la plus grosse. Je vais te montrer, moi. Je vais te montrer si on m'appelle. Ah non, Bernard, désolé. Quoi? C'est la question cash. Phil. Et alors? Non, je t'expliquerai. Et pourquoi je joue pas, moi? Jean, venez ici. Oh, d'accord. On va jouer à la question cash, Jean. Jean, vous allez faire une partie de bowling, toujours pareil, vous faites tomber autant de quilles que vous pouvez, on enlève autant de mauvaises réponses que vous aurez fait tomber de quilles, puis je pose une question qui peut vous rapporter 300 euros si vous répondez tout de suite. Et puis je vous dirai après. Allez, 300 euros à gagner sur cette question. Allez, faites-vous plaisir. Pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Allez, encore une boule. Allez. Facile, il y a une chance sur deux, ok? Ah oui, d'accord. On va poser la question. En même temps que la question s'affiche, les réponses s'affichent, ok? Moi, je dis top. Quand je dis top, dans le compteur à gauche, la somme de 300 euros va s'égrener et va se dilapider à raison de 30 euros toutes les secondes. Mmh. Dès que tu penses avoir la réponse, tu dis top pour bloquer le chronomètre. Parce qu'il y en a qui ont dit top. Le lendemain. Oui, c'est trop tard. Ah oui, c'est pas qu'il est trop tard, c'est que le chrono, il continue à dérouler et après, c'est toi qui nous dois du pognon. Je vais faire attention quand même. Voilà. Le mec, il est rentré chez lui, on lui a envoyé un courrier comme quoi il nous devait 28 000 euros. Il fait la gueule, hein. Alors du coup, on l'a déguisé en fantôme, tu vois, il est là. Et... Il fait des heures sup. Voici la question, il y a une chance sur trois, parce qu'il restait une quille et il y a 12 réponses. À quelle famille de plantes la citrouille appartient-elle? Convolvulacée, térimbintacée, cucurbitacée, top chrono. Cucurbitacée. Top, 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 top. Bravo, voilà. Il a raison. Bah oui. Oui, 260 euros, cucurbitacée. Moi je suis d'accord, tu es d'accord? Ouais, d'accord. Ouais. Tout le monde est d'accord avec le cucurbitacée? Ouais. Voyons ça tout de suite. Cucurbitacée. Merci. Alors,
Comme c'est une... Ah, c'est une question cash. Tu donnes des sous ça, ça paye cash. Hein. Ah ouais, oh, c'est comme attends, ça. Attends, donne, je compte. Non. Tu comptes que dalle, toi. Tu comptes que dalle. C'est formidable. Ah ouais, c'est comme ça. C'est la première fois à la télé qu'on sort des billets. Ah ouais, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ouais. Il en manque un. Il en manque un. Merci Vincent. Mais de rien. Ça merci. C'est bravo. Bravo. Alors là, je suis épaté. Allez, on est parti. Ouais, c'est à toi, Bernard. Ah oui, c'est bien. Allez, mon pote Montiel qui va se mettre au bowling. Il a deux boules, Bernard. Oui, allez. Bernard, t'as deux boules. J'en ai deux. Je te confirme. Des fois, on se pose la question, est-ce que j'ai deux boules ça, ou pas c'est... Allez, allez, on encourage, là. Allez. Toile de choc. Toile de choc. On joue pour 2000 euros. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est pas grave. L'important, c'est d'éviter la gouttière. Prends la 8, prends la 8, c'est bon. La 8, t'allais bien, la 8. Oui, t'as raison, oui. Allez. Voilà. Voilà, voilà, mais voilà. Voilà. C'est bon. Juste, hein. Tu portes à gauche, mais... Il va falloir bosser, hein. Ah, c'est vrai, il va falloir alors, bosser. Alors, on a trois quilles en moins, ce qui nous fait 9 réponses, parmi lesquelles il faudra trouver la bonne. On joue pour 2000 euros. Vous avez toujours 2 jokers. Le premier smartphone qui permet en 45 secondes d'aller sur Internet. Et l'autre... Votre serviteur. C'est simple, j'aime bien. Ouais. C'est simple. C'était ça ou le lion de la Warner, tu vois. Donc, en toute humilité. Absolument, absolument. Mon deuxième prénom est en modeste. Voici la question, toile de choc. Regardez ce tableau. Quel est le titre de cette œuvre? Le cri. Le cri, monsieur, le cri. Le cri. Edvard Munch. Le cri. Demande à un sculpteur de reconnaître une peinture. Le cri, le pont du diable, la mort, l'épouvante, l'otite, ténèbres, terreur, le cri, la peur. Le cri. Et alors Richard, il l'a sorti comme ça. Ouais. Le cri. Bah oui, bravo. Ouais, il me semble un poil connu. C'est le plus célèbre de Munch. On dit le cri. Voilà. Il est de quelle origine, Edvard Munch? Alors, l'Est, mais très haut, genre Pays-Bas, un truc comme ça. Peut-être même Scandinave, en tout cas. D'accord. Exposé là-bas d'ailleurs. Sur lequel t'es pas calé, toi? Je sais pas, je suis révisé, en fait. C'est vrai. Mais je suis modeste aussi, donc je la ramène pas. Alors, quand on a un sculpteur sur le plateau, on se dit que la sculpture, la peinture, tous ces arts, à mon avis, ils maîtrisent un peu ce garçon. Légèrement. Et tu me disais d'ailleurs que dans ton spectacle que tu vas présenter à l'Olympia. Le 17 juin. Parce que, alors, il est sculpteur. Il écrit, il mixe, il est DJ, il est également showman. T'as écrit ton... Ouais. Voilà. Alors par contre, il y a un truc, il fait très mal les crêpes. Voilà. Mais sinon, tout le reste, il sait le faire. Donc, à l'Olympia, tu as un sketch qui parle justement exactement, de ses pages. Parce que je raconte l'histoire de l'art et de manière humoristique et effectivement le cri. Tu restes combien de temps à l'Olympia? Un soir? Je fais un soir. Je fais une tournée en province pendant de janvier à juin et après l'Olympia. Tu prépares ton Olympia. Voilà. On est tous invités. Alors... Voilà, avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est gentil. Le tableau que vous voyez en haut à gauche de votre écran s'appelle-t-il Le Cri? On joue pour 2000 euros. Bravo. Bravo. Super. Bravo, grâce à Richard, super, super, vous super. Remportez 2000 euros. Est-ce qu'on bloque cette somme? Est-ce qu'on... Oui, je pense que... On commence à être raisonnable. On va commencer à être raisonnable. On cadenasse les 2000 euros. Et on va jouer pour 3500 euros. Je crois que c'est à toi, Richard. Richard, deux boules. Allez. Voici l'indice auquel allez, on va Richard. Être confronté. Allez, Richard. Allez. Squelette en fait. Il y a combien de temps que tu mixes? Que j'en ai fait un métier depuis 2016. Moi, j'aime bien quand on arrive à faire plein de choses comme ça. Tu prends par exemple Bernard et moi, à part de faire de la télé, on n'est pas capable de faire autre chose. Ouais, si, alors t'es rien. Une journaliste, toi, quand même. Oui, ah, oui, je fais des... Oui, critique. Ouais, oui. Si, moi, j'enseigne le flyboard. C'est bien. Et il y a un autre truc que je fais bien, c'est je fais chier le monde.
Ah si, ça, là, je suis champion du monde mondial. Grâce à Richard qui vient de nous claquer le premier strike de la partie, on vient de remporter 3500 euros et on joue génial. Pour 6000 euros. Est-ce qu'on bloque les 3500 ou est-ce qu'on continue ? Non, on continue. Si on perd, on redescend à 2000. Tout à fait. La chance est à toi. Allez. On ne joue pas après un strike ? Non, quand c'est un strike, on ne pose même pas la question. Non, non. On gagne un temps fou. Il y a comme un os. C'est l'indice. Je t'en prie. Celui qu'on a surnommé la douceur. Vas-y, Jean. Oh, hey. Ah, ça. Ça, du strike. Ah, ça, du strike. Attends, il y a une deuxième boule. La même. On fait la même. La on même. On nous pète la même, tu nous fais un spare et on passe à 10 la même, mais tranquille. Tranquille, regarde. Ah, comme un os. C'est pas grave. Il n'y a pas de gouttière, on a quand même fait tomber 7 oui. quilles sur 10, qui nous fait 5 réponses possibles, dont la bonne. Voici la question. On joue pour 6000 euros. Quel os est le plus long du corps humain ? C'est le fémur. Moi, je sais. Le radius, le fémur, le tibia, l'humérus. Top chrono. Alors là. Mais c'est les os quand même. Ouais, mais justement. Le radius, il est où ? Radius cubitus. Au bras. Le bras. C'est pas long. Péroné. Péroné, c'est en bas. Tibia péroné. Ouais. Tibia péroné. Fémur. L'humérus. Alors moi, je. Je peux pas vous aider plus parce que ça serait pour vous aider. Parce que là, moi, je suis entre l'humérus. Le tibia, il est long déjà, le tibia, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, si. Pour moi, c'est le fémur. Tibia, il est long, c'est ça. Non, mais pour tibia péroné. Tibia péroné. Pour moi, ce serait le fémur. Tibia et péroné. Non. Oui, ils sont ensemble. Eh, les enfants. Moi, c'est le fémur. Fémur. Oui, moi aussi. T'es d'accord ? Fémur. On s'arrête sur le fémur. En tant qu'ancien pompier, je confirme. Ah ben tiens, viens là. Voilà. Ah ben voilà. Voilà. Il nous amène Lucien. Alors. Il s'appelle Robert. Le radius, il est là. Oui. Radius cubitus. Les bras, c'est moi, pas c'est bon. C'est ce que j'ai pété, les deux. Les bras, c'est pas bon. Ouais, bah, et puis là aussi. Là aussi. Une deuxième fois. Donc radius cubitus. Ouais. Ok. Le tibia. Ouais. Tibia péroné. Ouais. Tibia péroné, c'est en là. En bas. Ça, ouais. Ah, bah, mais... Le pauvre, ça fait de la peine quand même. Tibia péroné, c'est ici. Tibia, ça. Tibia péroné. Voilà, tibia. Ça. Ça, c'est ce qui est. C'est le fémur. Et ça, c'est le fémur. Il est plus grand. Et donc, le plus long. Le fémur, et donc. Il est plus grand. Le plus long. Beaucoup plus grand, d'ailleurs. Merci, vous, tu peux ramener Robert. Donc, ben, c'est bon, on a la réponse. On va quand même attendre. Salut, Youssef, merci beaucoup. Bon, alors, là, on va. Oui. Bravo. 6 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait ? On va cadenasser, on est sûr de repartir avec 6 000 euros. Voilà. On cadenasse les 6 000 euros. Bien. Oh. Ah, c'est bien. Et c'est à Bernard de venir jouer pour 10 000 euros. On a toujours les deux jokers. Ouais. Et surtout le plus important des jokers qu'on a encore. Certes. Voilà, bah c'est ça. Certes, voilà. Le plus prestigieux. Le plus prestigieux. Je te remercie. Tu bois quelque chose ? Le plus humble. C'est pour toi ? Attends. Bouh. Bernard, il change de couleur toutes les... Merde, j'ai droit à deux, non ? Oui, mais là, c'est une gouttière. Hein ? Richard, lui, du coup, n'aura plus qu'un coup derrière. C'est pour lui, hein ? Il rigole, la gouttière. C'est bien fait ! Il rigole. Rien à la première, 9 sur 10 à la deuxième. Mais d'ailleurs, avant de poser la question, moi j'ai envie de reparler un petit peu de l'actualité de mon pote Bernard, parce que mine de rien, ça va faire 25 ans qu'on se connaît, 25 ans qu'on se croise sur les plateaux. Tous les week-ends, entre 12h et 13h, on passe une heure avec. Sur RFM. Oui. Sur RFM, c'est une heure avec un invité dont tu parles. Oui, il y a de très belles personnalités qui viennent raconter leur actu. Mais au-delà de l'actu, tu sais, moi j'aime bien confesser un peu, je voudrais aller au-delà de ce qu'on entend traditionnellement lors des interviews. C'est tous les week-ends, samedi et dimanche à midi, avec un invité. Voilà.
D'accord, très bien. Et j'ai Animaux aussi, l'émission sur la chaîne Animaux. J'allais t'en parler, tu es également sur la chaîne Animaux. Tous les mois, je reçois un invité, et en ce moment, c'est Maëva Cook, après avoir reçu Michel Drucker. Voilà. Et TPMP, presque tous les soirs aussi, quand même. Aussi, oui, aussi. Ouais, TPMP, chez Cyril, ouais. Touche pas à mon poste. Il y a un moment où tu arrives à rentrer chez toi, sur le bassin d'Arcachon. T'as une vie, t'arrives à avoir une vie. C'est difficile, oui, mais c'est bien. Bouh, voici la question. On joue pour 10 000 euros. Il y a trois réponses. Sous quel titre le film d'horreur culte Halloween est-il sorti en 1979? Est-ce le bal du diable, la nuit des masques, les griffes de la nuit? Oh, moi je sais. Moi aussi. Je peux le dire tout de suite, là? Oui. Ben, c'est la nuit des... Est-ce que vous griffes de la nuit, Freddy. Okay. Les griffes de la nuit, c'est Freddy, non, c'est la nuit des masques. On valide ou on prend un joker? Oui, on valide. Allez, on valide. On a dit la nuit des masques. Eh, vous savez quoi? Humilité. Nous, on envoie la pub et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir à tous, nous sommes sur C8, nous sommes sur le plateau de Strike, on est en train de fêter Halloween et nous sommes en compagnie de Jean Le Couturier, accompagné de Bernard Montiel et Richard Roleski. Et je tiens à dire que même si on n'est pas pour l'instant dans les records de gains, on a la meilleure équipe de bowling et je tiens à le souligner. Juste avant la pub, la question était la suivante. Sous quel titre le film d'horreur culte Halloween est-il sorti en 1979? On joue pour 10 000 euros. Si c'est la bonne réponse, on gagne 10 000 euros. Et on a toujours nos deux jokers. Voilà. Je pense que t'es bon. Ah, j'ai pas trouvé, hein. Alors bravo. Bravo. Hey, 10 000, c'est génial. Non, là, c'était, t'aimes bien ce jeu, hein? Ouais, ouais, mais 10 000 à lui ou à moi? c'est s'arranger après. Allez, c'est pour toi, je suis gentil. Richard, ah, gentil. T'as plus qu'une boule. Je suis désolé de te la prendre, mais c'est à toi de jouer. Merci Bernard. merci Bernard. On joue. Attends. Avant. Est-ce qu'on continue ou on s'arrête là? Si on s'arrête là, la partie s'arrête, tu as 10 000 euros. Si on continue, qu'on tente 15 000 et que tu te plantes, tu redescends à 6 000. Maintenant, on va continuer. On continue. On a les deux jokers, on continue. On joue pour 15 000 euros, voici l'indice. L'indice est angoisse nocturne. Richard, quand tu veux. Oh, une boule, ça va. Bravo. Angoisse nocturne, voici la question. Il y a quatre propositions de réponse. Il faudra trouver la bonne parmi les quatre. Comment s'appelle la phobie de Halloween? Est-ce la saménophobie, la basophobie, la lobalophobie, la géphirophobie? Saménophobie. Basophobie. Ouais, un joker. Si vous ne le sentez pas, prenez un joker. Ah ouais, il faut prendre un joker, là. Ça mène. Pourquoi tu dis ça, toi? Mais ça veut dire que je l'ai lu quelque part. Ouais, c'est ça, c'est ta mère. On a 30 secondes. La pauvre épouse. C'est fou, si t'es sûr de toi. Non, t'es sûr? Non, t'es pas sûr, je le connais. Non, laisse-moi réfléchir, c'est que je l'ai lu. À la limite, vous pouvez quand même prendre un joker. Eh ouais, on peut prendre un joker, ça va. 15 000 euros. C'est quoi comme joker? Ben, l'un des deux, mais moi je conseille de prendre le... Quoi, je prendrai le téléphone. Oui, exactement. Et je marquerai phobie de Halloween. Exactement. Voilà, fais ça. On prend phobie d'Halloween. Oui. Et saménophobie. C'est dommage. Non, on m'a pas écouté. S'il est bon, c'est dommage. S'il te plaît, Youssef. C'est t'en servir du petit machin. Qui est-ce qui est balèze? Qui est-ce qui est balèze? Phobie. Moi, je vois rien. Phobie d'Halloween. Il faut faire quoi? Quand je lâche le téléphone, t'as 45 secondes pour aller sur Internet. Ben, donne-le-moi, là, déjà. Non, c'est... Allez, 45 secondes pour aller sur Internet et pour trouver comment s'appelle la phobie de Halloween. Est-ce la saménophobie, basophobie, lobalophobie ou géphirophobie? Attends, ça va arriver. T'en sors, enlève-le. Allez, c'est foutu. La saménophobie.
La saménophobie. Ben voilà ce que j'ai dit. Ouais. Ah, saménophobie. Il m'écoute pas. Saménophobie. Okay. M'écoute pas. C'est bien toi, comment tu sais m'écoute ça toi pas. M'écoute pas. Peut-être que t'as la musique et la sculpture, tu vas pas nous faire une pendule. Il y a en plus dans les phobies. Ah mais il a non, il a des cultures. Hein. Je savais que sculpteur, auteur, showman, DJ. J'étais tout de suite, je savais. Tu savais. Bon. Alors ils vont quand même nous faire le suspense et tout là, tu sais, la musique, la lumière. Ça vient de l'origine d'Halloween en fait. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu? Si c'est gagné, c'est trop divisé. Voilà. On aurait sans rien, on a sans joker, on a 15 000. Alors. C'est pas grave, j'ai 15 000. Agatha, c'est quoi la basophobie? La peur de marcher. L'obalophobie, la peur d'avoir de mauvaises notes en maths. Ah oui, ah, je l'ai jamais eu celle-là, moi. Et la dernière? Géphirophobie. Oui. Peur des ponts. Un pont. Ah là, les ponts. Oui. D'accord. On vient de remporter 15 000 euros. Bravo. Ah oui, mais c'est là. Soit on s'arrête là, soit on tente 20 000 euros. Alors, j'ai quand même un dilemme. Sachant qu'il nous reste un joker et pas n'importe quel joker. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là avec 15 000 euros? Votre rêve, c'est de s'acheter un cabriolet et à 15 000 euros, on a un cabriolet. Mais on a une cacune, on a une cachouf, on a... On n'a pas encore l'attraction. Avec un petit peu à moi, quoi. Mais enfin, bon... Franchement, c'est lui qui décide. Moi, j'ai honnêtement, vraiment, j'ai envie d'arrêter. Parce que j'ai... Ah ! Écoutez-les. Il y a un beau joker, c'est quand même pas n'importe lequel. Allez, on va se laisser faire. Non, Jean, il faut pas supporter. Non, mais j'ai vraiment envie. Hein. Attention à la pas du gars. Mais voilà. S'il s'arrête maintenant, il prend 15 000. S'il s'arrête maintenant, vous partez avec 15 000. Je prends 15 000. Là, tout de suite. Je vous les donne pas en cash parce que... C'est interdit. C'est 15 000. C'est interdit. Par contre, si vous réussissez et que vous vous arrêtiez à l'échelon supérieur, vous repartez avec 20 000. Dans 3 minutes, vous pouvez être de 5 000 euros plus riche. Et dis-moi, le joker, c'est quoi? Tu peux nous rappeler le joker? C'est moi qui essaye de faire mieux que vous. En quoi? En deux fois? Oui. En deux fois? J'ai deux boules. Ouais. Réfléchis bien, on y va une fois. On y va... Stop. Josette. Arrête. C'est... Josette. Il y a ta femme là-bas? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, Josette? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, j'arrêterai. Vous arrêteriez? Non, j'arrête. Allez, hop, c'est fini. Allez, hop, terminé. Allez. On va, monsieur Lam. On arrête. Merci beaucoup. On arrête. Oui, mais non. Il va le faire exprès. Oui, c'est fini. Ça y est. Décidé. Je vais poser la question à Agatha. Est-ce que juste pour lui mettre les boules, on peut faire la partie suivante? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Juste pour mettre les boules, on va faire la partie à 20 000. OK? Alors, c'est à Jean. Voilà, ça tombe très bien. Donc, Jean, et on n'avait qu'une boule. Non, deux boules. Il y a deux boules. Deux boules, parce que moi, j'ai fait un truc sur une boule. Il est clair que la partie est terminée. Ah oui. On repart avec 15 000 euros. 15 000. Mais si on avait joué pour 20 000, l'indice aurait été chez Dracula. Allez, Jean. Pour 25 000. Pour 25 000. Et c'est là qu'il nous pète un strike. Oh bah... Non, pour 20 000. Pour 20 000. Et s'il nous fait un strike, là, il va... C'était pour 25, tu l'as passé. Non. Alors, on aurait pu lancer une deuxième boule, parce que tel était le jeu. Alors. Ok. Là, on a tombé 4. Je vais. Oui, allez-y. Vas-y. La question aurait été... Non, on joue pas. Maintenant, c'est juste pour le plaisir. Dans Hôtel Transylvanie, quelle créature est Esmeralda, l'assistante de Quasimodo, le cuisinier sadique? Et les deux réponses auraient été une momie, une souris. Et vous auriez dit... Je pense que c'est une momie. Une momie. Non, vous une auriez souris. Dit... C'est une souris. Bah, j'aurais perdu. Souris. Ça va. Donc vous seriez consulté. Enfin, il m'aurait consulté, il m'aurait dit oui. Voilà, vous auriez consulté, il t'aurait dit non, c'est une souris. J'aurais dit une souris. Et on aurait dit une souris.
Et vous vous seriez rallié à son idée? Ah oui, oh bah oui. Une souris. Oh bah oui. Et c'était une momie. Vous auriez gagné 20 000 euros, c'est dommage. Vous repartez avec 15 000 euros. Merci Bernard. Merci Vincent. Merci Richard. Merci. Richard, on verra te voir à l'Olympia. Bernard, on est avec toi à la télé tous les jours sur TPMP. Et le week-end entre midi et 13h pour une journée C'est grâce à vous. Hein. Merci. Joseph, bon retour. Merci d'avoir été avec nous. C'était très sympa. J'espère que vous aurez la possibilité de vous offrir le cabriolet de vos rêves. Je pense que oui. Je pense que oui. Salut le public. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à très vite pour une nouvelle partie de Slide. Ciao, ciao.